point difficile. Oh. Ah, peut-être combat là par contre. Parce que je vois des armures, des machins. Il y en avait partout déjà avant, hein, les armures. Oh, bon. C'est ça, déco de base. Avec des armures, avec des statues dégueulasses. J'ai vu sa déco, moi au moins il y a un masque de gobelins, il y a des tripes de mes ennemis. C'est bien de m'apprendre comment esquiver maintenant. Moi aussi, je suis toujours lancé vers l'enfure du vin la plus proche. Ouais. En fait, c'est ça la différence entre Arès et Aphrodite. C'est que tu vas chez Arès, tu vois les têtes de ses ennemis. Tu vas chez Aphrodite, tu as la tête des filles qui ont essayé de la perdre. Là, la tête de ses ennemis, finalement. Elle m'a piqué mon mec. Elle m'a piqué mon mec. Mec, c'est qui ton mec? Bah, Arès. Et ton autre mec, qui ça? J'ai pas d'autre mec. Ton mari. Si, Héphaïstos. Non, pas d'autre mec. Je vous ai demandé de trouver des épreuves. Alors, j'ai répondu. Disons qu'il y a une épée. Et Phénix devra frapper avec cette épée. Mais Zeus a dit non. Alors j'ai dit, bon, bah alors, une hache. Et Zeus a dit non. Ah non, non plus. Ah. Bah ouais. Bon. Mais ça sert à rien ce machin. Il va falloir se battre alors. Mais attends, je comprends pas l'intérêt de ce levier pour activer ça. Il pouvait l'activer de base, non? Non, il devait parler avant, donc voilà. C'était juste pour te C'était pour faire t'obliger à t'arrêter. C'est ça, oui. Très bien, très bien, très bien. Ouf. Alors, c'est haut, par contre. Ah, c'est haut. On va déjà bien jumper. Ah, deux coffres. Deux coffres, je suppose que... Bon, est-ce que c'est d'énergie? Arrêtez de me faire dire à chaque fois. Quelle énergie? Bah là, par contre... Ah, il doit être là-bas, le coffre. Peut-être. Pour l'instant, je le vois pas. Bon, allez. On va faire un méga saut. Monte. Paf. Ouh, c'est quoi ça? Elle. Ah ouais. C'est du vent. Ouais. Ne t'arrête pas de faire aussi. Oh oui. Ouh, esquive. Esquive. Mais on n'est pas charesse là, faut arrêter les conneries. Si, regarde, je vole vers le combat. Ça peut bientôt avoir une heure de différence avec le stream. Oh. On va rappeler, j'y vole. Enfin, c'est bien parce que t'as pas besoin de t'arrêter. Ouais, c'est ça qui est cool. Oh. Ouais, faut pas t'arrêter, t'as pas t'arrêter du tout. J'avais oublié qu'après un pouvoir, elle lâchait elle. C'est sympa. C'est mieux comme gameplay. Ah bah c'est. Oh merde. Ah, bah, faut passer au-dessus. Oh. C'est chaud. En fait, c'est grand, mais ça se torche. Ouais. Enfin, j'espère qu'on a pas raté un coffre du coup sur le trajet. Bah on va voir après, hein. Je pense pas. Oh, d'un coup je m'arrête, ça paraît tout mou. J'ai l'impression que c'est moins vicieux que... Maintenant j'en ai chez un gros dégueulasse, je sais bien, mais quand même. Arès, le gros dégueulasse. T'es mon gros dégueulasse préféré. Bon, et sinon ce coffre, on l'a pas loupé. Non, bah t'as fait tout le trajet, voilà. Oh. D'accord, très bien. Non, cet escalier oh mon Dieu, me bloque. Une marche. Une marche m'empêche d'avancer. Il reparle, hein? Bah non, regarde, il reparle pas, pourtant. Je ne comprends pas l'intérêt de cette activation. Attends, on fait peut-être une pause café parce que... Là-bas. Ok. Un rayon jaune. Bon, en attendant, on a quand même pas le choix. On va par là. Ah c'est reparti. On recommence. Il va aller vite le donjon, n'empêche. Il va aller vite. J'avoue que c'est comme ça, toute la tracée, ça va être passé. Pas passé. J'ai l'impression que ce sera pas autre chose. Par contre, je ne vois toujours pas le rapport avec sa putain de hache. C'est après. C'est sympa, il me donne assez d'énergie pour faire tout ça. Sans énergie, honnêtement, je passe. Au début, on rigolait avec l'énergie, mais maintenant, ouais. Ah, là, c'est plutôt utile. Je vais où là maintenant? Je vais me lâcher. Bon, c'est pas différent d'habitude. Ah, il m'oblige à descendre volontairement pour remonter après. C'est Vislar ça. Oh merde! Trop bas! Je vais m'excuser, j'avais un truc qui me chatte. Oh. Oh, ça me... Ah, c'est mort. C'est mort, je vole plus. Ah, je me retourne, je me mouche et tu meurs. J'ai raté un truc avant et ça. Eh putain, c'est bas hein. D'habitude, on mourra plus vite. Enfin, t'es dans l'Olympe hein. On tombait plus vite. Tombe. Oh putain, je parlais qu'il me remet au tout. Non, tout pas début. Tout. Non, mais le. Ah oui, là, oui. On a juste de faire. Aïe. C'est du one shot hein.
Non, je vois pas trop comment je l'ai raté. On recommence. Yeah. Bon, ça c'est facile. Je sais même pas à quoi sert le stream de gauche, mais. Hop. Allez, moi, je vais faire ça. Bien se laisser porter. Là, hop, par ses ailes. Un peu plus loin avec ces couvices là. Genre là, on est obligé à descendre. On descend. Là, tu te laisses tomber. Léger, léger, léger. Voilà. On repart. Parfait, hein. Laissez tomber doucement. Ah ouais, mais c'est ça, pour l'instant, j'ai déjà fait ça tout à l'heure quand tu te mouchais. Mais... Après, j'ai merdé. En fait, ça a merdé ici. Parce que je suis pas monté assez haut. Ah voilà, ouais, j'ai pas pris le stream assez large. Bon, il fallait que je le regarde pour qu'il soit pas perturbé. Je peux tracer jusqu'au fond. Et tout pile. C'est bon. Alors, le trésor, on l'a loupé? Non, non. Qu'est-ce qu'il est? Ça doit être par ici, ou c'est plus haut? Oh, oh. Non, c'est plus haut. Waouh. Ah ouais. Effectivement, c'est vachement haut en fait. C'est plus haut. Je sais même pas comment on va y aller. Mais... Bah, ce sera sur la fin, il y aura sûrement un truc qui va te... Bon, quoi est-ce que j'utilise, ma hache? J'ai tué des géants, défait des armées, et triomphé sur d'innombrables champs de bataille. Mm-hmm. Mais parler à Zeus comme tu te fais, j'en suis incapable. Oh. Ah bon. Oh putain la vache, je me foire. Clairement obligé d'avoir le truc d'arrêt, si tu l'as pas, je sais pas comment tu passes. Alors, soit on va là en face, soit j'ai l'impression que... Ah bah non, je pensais qu'en continuant par là... Oh, merde, comment chercher ce truc là? C'est super loin. Ah, attends, entre les poteaux là. Ouais non, c'est pour là que je vais aller, ça, je suis d'accord, hein, c'est pas le problème. Ah, tu parles du machin comment pour après, je vais aller là-haut. Bah c'est après, peut-être ici après quand t'as fini la zone. Ça va... Ah, attends. Non, j'ai pas envie des lasers. On t'en veut les lasers? Bah t'as pas de choix. Voilà, t'as le vent, mais t'as le vent. Vent t'as le vent de derrière. Oh, bon, oui. Oui, c'est... Voilà. Oh la vache. Par contre, voilà. Alors, t'as scredé un truc, mais tu peux pas tout scréder. Non, mais. Je pensais pas passer en dessous, je t'avoue. La première fois. Voilà. Easy. C'était là, à mon avis, qu'il fallait essayer d'aller au-dessus. Peut-être par ici qu'il y aurait une montante quelque part. Non, je dis, je crois que je l'ai vu là. Ah, là, je peux aller en haut ou en bas. Ouais. C'est en haut. Non, par en bas, je peux aller aussi, mais. Continue à monter, continue. Est-ce que ça doit être par là? Choisis à gauche ou à droite. Chance sur deux. Je suis pas sûr que c'était le bon chemin. Je crois qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, vous savez, c'est une question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle, ah, il n'y a oui, que voilà, la nouvelle. Okay. Sean s'est échappé. C'est une mauvaise nouvelle. Ah, je crois que j'ai trouvé le bon chemin. Au trésor, hein, je sais pas. Petite pause. Putain, non, le trésor il est là-bas. Non mais faut peut-être que tu passes par là justement pour être en hauteur. Peut-être. Ou alors c'est la fin? Non, là c'est la fin. En fait on arrivait par là, par l'autre côté. Ça changeait rien. Ouais. Mais j'ai pas aller à la fin, hein. J'ai pas l'intention de finir maintenant. Donc... Non mais là tu vas finir hein, si tu veux tout droit. J'ai pas besoin de... Si j'ouvre pas le coffre, je finis pas. Non, j'ouvrirai pas le coffre. Attends. Non mais va pas vers la zone alors. C'est là-bas qu'on va aller. Ouais. Waouh. Faut passer par derrière. Voilà, voilà. Fallait pas finir la zone. Oh, le vicieux. Pour une fois qu'il fait par derrière. Y a pas mal de tartares qui étaient comme ça où t'avais un coffre derrière la fin. Oui, y a autre chose que j'ai failli dire de derrière, mais je le dis ou je le dis pas? Oula. Attends. Est-ce que je le dis? Non. Avec Aphrodite aussi, c'est souvent. Je sais pas pourquoi j'ai dit non, mais t'allais quand même le dire. Oui. Oula, comment est-ce que je vais sortir ça? Attends, ça va descendre, je suppose. Non, ça va à gauche et à droite. Ah.
Attends. Ça vous a souffert dans le bon sens. Attends, il y a un truc là. C'est où qu'on doit aller? Ah! J'ai glissé, chef. Ah, il faut pas casser le truc là au milieu, c'est pas un jumper. Derrière toi. Oh. Non. Eh merde. Il y a un truc, c'est ça qui est bizarre. Ou alors il faut que t'ailles. Mais c'est des pics. Je peux peut-être y arriver avec deux sauts d'arrêt, je sais pas. Ah ouais, en fait. Ça passe. Ouais, ça va être ça. Ah, j'aurais peut-être dû attendre un peu. Là, on va attendre un peu. Ouais, c'est ça. Ça va être deux sauts d'arrêt. Quand je serai au maximum devant. On va attendre un petit peu. On va se remettre deux barres. Voilà. On attend qu'il reparte. On n'est pas pressé. Après Arès, deux coups de main. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Ah, le fléau de Némésis. On l'a déjà flingué la tronche. Déesse de la juste vengeance. Juste vengeance? Je ne suis pas rancunière, mais je tiens à dire que mon frère ne l'avait pas volé. Je sais pas si Némésis... Ah si, elle est... C'était l'une des sous-déesses, je crois, qui a été créée par Arès, d'ailleurs. Némésis, c'était pas une des quatre conquires? C'est la vengeance. Voilà. Et encore un truc de fait. Oui, ça. Alors là, quoi, t'es passé? Ah, l'épée. Épée des épreuves. Il nous parle d'une hache et il nous donne une épée. Ouais, finalement, il nous donne une épée. Et pas logique, ce gars. Hein. Surtout qu'on n'a jamais utilisé notre hache, là. Non plus. Alors, c'est quoi cette histoire de hache? Ne parle pas de ça! Ton truc se trouve dans Nikkei! Qu'est-ce que quoi? La déesse Nikkei. Ah, c'est marrant parce que oui, on sait! Mais ce n'est pas la déesse qui t'intéresse! Ah, mais pourquoi tu me parles de ne parle pas de temps, digestion? Car c'est le bouclier qui t'intéresse. Pourquoi on m'a parlé de. Ah, mais j'ai jamais eu ça avec une paire de baskets! Et voilà! Alors. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme pouvoir? Parler à Arès, il est. Droit devant. Droit devant! Ah, s'il parlait de déchaînement, on s'est pas vraiment déchaîné. Il parlait de hache, on a pas vraiment vu de hache! Il nous parle de plein de trucs, mais on les voit pas! Oh. Alors, introduction à l'amour, bon. Ouais, pas vraiment envie d'amour non plus. C'est la guerre, bon. À la limite, y a que... Ils font des épreuves, mais ça n'a pas de gros sens avec ce qu'ils racontent. Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? C'est un pirate. J'ai connu l'amitié dans ton genre, que les initiations n'effrayaient pas. Maintenant, l'épreuve de mystère. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait d'abord une épreuve de mystère avant de... Ils aiment bien le mystère. Ouais, j'aime bien ça. Ouh, du mystère. Le mystère, oui. Ma légende, c'est par la force que je l'ai bâti. Mais va prouver à Zeus que tu es digne du savoir des dieux, va. Et je suppose qu'on ne devra toujours pas se battre. Bah non, il vient de dire le savoir des dieux, il a pas dit qu'on allait se battre justement. Il a dit moi, je me suis battu. Mais toi, tu vas le prouver autrement. Du savoir? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le savoir de la guerre. Ouf. Taper voilà, en tort tant que l'ennemi respire. À la limite, tape-toi, puis du savoir. Du monde, mais pour le reste... Je sais des choses sur la guerre. Quoi qu'il faut taper des gens. Comment t'as su? Tu le sais aussi. Tu ne serais pas un peu déesse de la guerre? Pique pas ma place. Déesse de la guerre, quoi. Papa a dit qu'il allait peut-être me virer, alors pique pas ma place. Ah, il y a des aimants, déjà. Je vois d'ici. Alors, c'est noté deux éclairs sur le guide Michelin de Bruce. Écrase l'épreuve! Mets-la en pièces! Réduis-la en poussière! Mais pas au sens propre. Ça prend une éternité à réparer ces choses-là. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous piqué l'idée des Phaistos, que le pauvre gars il a voulu faire pour chez lui, qu'ils ont tous piqué l'idée. Ouais, oula. Ah ouais. Ah, il va tomber là, il va voler là-bas. Ah, je suppose que je dois le récupérer au vol. Je sais pas. Si, faut déjà voir ce que c'est. Classique, regarde.
Ah, c'est un volant, ouais, d'accord, ok. Reviens là, voilà. Bah, faut que tu l'actives, surtout. Oui, bah, surtout, je le récupère avant. Wouhou! Je suppose que je dois le lancer dans l'aimant. Bah, ouais. Ah, mais tu ne peux pas tant qu'il est activé. Donc, tu dois le désactiver, le balancer dans l'aimant. Ah, si, je peux le lancer, le réactiver, pourquoi pas? Bah, vas-y. Qu'est-ce qui m'empêche de le lancer quand je l'ai activé? Justement, c'est comme ça qu'il va être lancé, non? Super. Quoi? J'ai lancé quand il était activé, jamais dit je le désactiverai pas après. Par contre, du coup, et maintenant, je fais quoi moi? Bah, tu peux grimper dessus, donc il faut que t'ailles dessus et que tu cherches d'arrêt. Ah ouais, ouais, rien que ça quoi. Bah, je vois que ça. Voilà. Voilà. Et là, il faut que tu chopes l'autre pour le balancer. Ah, par contre, faut que je le touche. Ouais. Ah, mais c'est le même en fait, hein. Bah attends, faut qu'il arrive. Ouais. Voilà. Là. Voilà. Voilà. Oh. Ouais, oui, forcément. Reviens par là, toi. Oh, oula, 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 oula. Ouais, j'aurais peut-être dû l'activer avant, non? Ouais. Aïe, oh merde. Oh, bah t'es mort. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Merci de passer, bisous. Bon, t'es mort. Je l'ai lâché, j'aurais peut-être pas dû le lâcher. Non. Ah, un cube. Un nuage. Je l'ai lâché, j'aurais pas dû lâcher le cube. J'aurais l'activer, le prendre, le lancer doucement, monter dessus, et puis me laisser porter avec les mains. Certes. C'est ça, je crois. Ok, j'adore que tu fais. Ah. Hop là, bon, vu qu'on va recommencer, on va lancer tout de suite cette fois-ci, je pense que c'est bon. Voilà. Ouais. Je l'ai mal foutu par contre. J'avoue. On n'a pas checké pour les coffres, hein, check-up. Je ne pense pas qu'il va être au début, tu sais. Non, je ne pense pas non plus, mais on ne sait jamais. Donc active d'abord. Voilà, cette fois-ci, on va éviter de faire de la merde. Ça sera pas mal. Hein. Ah, il flotte au-dessus de moi là. Ouais, ok. Ouais, j'arrive pas à le prendre. Ah voilà. Non, je lance très doucement. Il faudrait que tu te raccroches dessus pour... Ouais, c'est peut-être un petit peu trop c'est doucement. C'est peut-être un petit peu trop lent. Bon. Ouais, mais t'es c'était pas un petit peu trop lent, en effet. On va recommencer avec un petit peu plus de force. Et je lance tout doucement. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. On va juste le faire tomber dans le rayon. Ah ouais. Et... Hop là. C'est bon. Taxi. Ah, merde. Si, ah ouais, non, non, bon, non, mais il va falloir mettre le rayon qui repousse. C'est bon. Et après, il faudra que tu retires quand tu vas arriver sur l'autre. C'est quoi cette boule? Une boule. C'est une boule. Je pensais que c'était un truc pour activer. Il y avait rien là. Hein. Non, non, c'est tout. Il n'y avait rien. Ouais, sauf que le rayon qui repousse. Où est-ce qu'il est? Là, juste là. Là où il y a les lumières, là, en fait. Ah oui, putain, je l'avais pas vu. En fait, ouais, pourtant, il est vachement visible, en fait. Yeah, ouais, donc parti. Ça va, tu vas te faire directement attirer. Taxi. Mop. Voilà, oh. Alors. Oh. Oh. Bonjour. Bonjour vous. Vous apprendrez bien une petite pour la route. Voilà. À moins qu'elle soit utile, mais ça m'étonnerait. Ouais. Trop tard. Ah, trop tard. Pull. Oh, merde. Alors, je vais faire la flèche qui est ralentie avec le temps, ça marchera bien. Pull. Ah, oh, je pensais qu'il allait se faire aimanter. Il est pas sur le même axe. De toute façon, il faut d'abord que tu rebondisses dessus, je pense, comme l'autre. Ouais. Donc il est... Oh, dude. C'est vicieux, ça. Ouais, tiens, tombe. Oula, ça peut-être un peu excessif, ça, peut-être, non? Quoique, si tu la tires vers toi et que tu... Oh, attends, il a l'air de partir vers les mains, là. Il a pas l'air mal, attends.
Hey. Super. On va lui accorder. Un peu comme l'accord, attends. La flèche l'a super bien mis en fait. Tout. Voilà. Ça j'avais oublié, j'avais un troisième triple. Alors on va peut-être regarder pour voir où ce coffre. Alors, c'est souvent un rayon. Donc ça c'est la fin. Et il y a encore une harpie là. Je dirais peut-être par là. On est un peu loin là. Non. Paf. Tu vois, je suis pas loin. Alors t'as demandé d'où c'est venu, je suis sûr. Bah putain, c'était quoi ça? Je me cachais, vite. Ah ouais, alors à se barrer. Tu ne m'échapperas pas, Engeance. Ah, peut-être que si, en fait. T'en fous, je fais le tour. Où est-ce qu'elle est? Tu la vois? Ah, là-bas, là. Ouh, ah. Ah, elle vient vers moi. Ouh, elle tape dans le dos. Oh, c'est méchant. J'ai fait simple. C'était méchant, l'attaque dans le dos. Alors, coffre. Pas là. Attends, on a pas regardé ce qu'il y avait en fait. Deux coffres. Ouais, un coffre de fin, comme toujours, et un coffre alors. Au milieu, je suppose. Est-ce que tu vois. Ah non. Un laser. J'ai cru qu'il y avait un laser, mais ça m'a donné trop de choses. Ah, si, là. Oh la vache, il est où lui? Fallait pas y aller avec les cubes par hasard, faire cube. Non. Je sais pas trop, peut-être que si. Non, on verra une fois qu'on sera au-dessus. On envisage un. Alors j'ai fait quoi là? D'accord. Oh! Ouh, c'est un balai. Ouais, sauf que. Ouais, d'accord, ok, on va choper celui-là. Il ressort d'où? Voilà. Hop. En voilà un. Je suis pauvre, je balance la barre. Ouais. Voilà, une fois que je serai sur celui-là, je peux choper l'autre. Ouais. Rien d'autre, non. Ah la vache, non, moi je vais monter sur celui-là. Peut-être que je chope l'autre avant. Wow. Oh, il s'est pris dans l'autre TP. Mais enfin! Bon, on doit le faire à chaque fois! Bah, c'est pas moi! Il se fait attirer en fait. Voilà. Non mais oh, c'est fini ouais. Bah activement. C'est des vortex, pas des trous noirs. On va d'abord essayer ça. Pourquoi je suis pas aimanté moi? Je suis tout en métal. J'ai une hache, j'ai une armure. C'est une armure divine. Et donc elle est pas aimantable. Oh, ça. C'est une armure en alu. Oh bah non, on l'a vu. Je voulais lancer, elle a pas voulu. C'est ce que je craignais. Bah elle a pas voulu lancer, elle s'est arrêtée, elle a pas voulu lancer. Oh. Elles sont toutes les deux activées, bon bah... Ouais, le problème c'est pour aller rechercher mon... Bon, bah du coup ça marche pas si mal. Un coup de ciel vole bien, y'a moyen hein. Bah elle va voler en ligne droite hein. Hop, voilà. Voilà, simplement. Ça peut le faire aussi. Voilà. Hop là, je suppose je vais récupérer l'autre. Banks. Jusque là ça va, c'est juste one step et puis c'est tout. Oh, ah, ça va être encore un petit lancer pas trop fort, pas trop léger. Vous êtes sûr de se lancer? Bah écoute, on va prendre l'autre. Ouais, j'ai peut-être dû prendre l'autre. Bon. Il y est presque ou pas? Non. Tu dirais qu'il y est, toi? Non. Hein. Voilà, là il y est. Allez, tu peux aller dessus, tu peux aller dessus. Ouais, mais bon. Ça permet. Oh! Il y avait un truc pour... Ah bah oui, juste là. Ouais, après on se refait repousser. Donc un petit lancer, pas trop fort, pas trop léger. Comme ça. Faut peut-être activer le rayon, non? Quel rayon? Bah là, le petit côté. Ah oui, j'ai même pas vu. Ah oui, bêtement en fait. Attends.
Voilà, on va d'abord se débarrasser de ça. Ah oui, non, en fait, j'avais juste à me mettre sur le cube là. Bah oui, c'était ça que je voyais. Et activer le rayon. Ouais, non, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Les petites lucioles en fait m'empêchent de bien voir finalement. C'est là pour t'aider et finalement ça envoie moins bien qu'autre chose. Par contre, ouais. Alors, j'ai pas vu le problème. Le taxi est passé, voilà. Ah, taxi. Et maintenant, bon, dans le sens inverse, je suppose. Ouais. Je vais quand même reprendre celui-là. Pour le trajet, je sais pas, on sait jamais. Ça sera peut-être utile. Pas pour l'apéritif. Peut-être. On pourra aller chercher le coffre. Ah oui. Ah merde, il volait pas l'autre. Putain, quel con. Oh, ça c'est con, ça va pas tout refaire maintenant. Ah, j'avais pas activé, il volait pas le deuxième cube. Bah merde, quel con. Et on se refait tout. Sauf. Elle est bien allumée, elle est bien allumée. Je pense être parano, tu sais. Par contre, elle est juste au-dessus. Ouais, ça. Ah ouais, c'est le but. Non, mais c'est là que tu te. Voilà, là. Là, je peux pas me rater. Ah, ouf. Yes. Un point de sauvegarde. Après 45 minutes. Un point de sauvegarde. J'ai jamais été si content de voir un point de sauvegarde. Et on est reparti. Je vais reprendre celle-là, en fait, si je veux. Ah, elle passe peut-être pas la porte. Bah, c'est parce qu'elle est mal mise. Je suis sûr qu'elle passe la porte. Non. Ah. Elle est trop large de 2 cm. Bon, on va te faire foutre la boîte. Alors, ici, c'est quoi l'idée? Ah, là, voilà, ok. Oh. Jusque là, rien de très dur. Où est-ce qu'elle est? Ouh. Ouh, d'accord. On en reparle de tes essais juste avant, rien de très dur. Bon, bah, elle est morte. Attention. Ah oui, prends-la avant qu'elle ne soit trop. Oh la vache, mais comment elle tombe alors qu'elle est censée flotter, quoi? Bon, je vais l'attraper, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est très bien aussi. Voilà. Bon, moi je pense pouvoir. Bizarrement. Ça devient n'importe quoi. Là, je suis dans les boîtes maintenant. Mais. Ah, attends, il y a un problème avec ces boîtes. Phoenix en boîte. Phoenix en boîte. Nouveau DLC. Et après, on passe. Phoenix in the box. Et après, on retourne chez Aphrodite et Phoenix sans boîte. Oh, j'ai pas compris. J'ai grave envie de dire sans boîte, mais pas de boîte. Et puis j'ai fait, oh non. Ah parce oui, que... là c'est en boîte. Mais après, il va chez Aphrodite et là, c'est sans boîte. Attends. Play Phoenix en avant les histoires. Voilà, je sais pas, elle sera peut-être utile après. Non, là, mais là. On verra ce qui se passe. Je suis obligé de mettre la caméra comme ça pour bien voir le laser. Ah là 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 là, on devient fou. Wouhou. Wouhou. Chope-la peut-être. C'était bien ça. Merde, trop tard. Too late. Ouais. Too late. T'as l'air d'avoir besoin. Zout. Fais le tour. Tire-la vite, si je puis dire. Attends, elle va partir. Tire. C'est de la bonne boîte, ça. La bonne. Yo! Ouais, ça. Faudrait peut-être aller vers la boîte en tard. Quoi? Oh, on saura y aller quand même. Hein. T'es sûr? En tout cas, j'espère. En tout cas, j'espère. Ouais, t'inquiète, frère. Et hop là. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? Parce que moi, je suis grimpé. Vois pas si haut! Non, mais vois pas si haut. Vois droit devant, parce que ça va être plus facile déjà. Ah ouais. Ok, il y aura sûrement un truc quand tu vas arriver en bout de course, il faudra tirer, il faudra ralentir la flèche parce que je vois rien. Ah sinon il est juste là, pardon, excuse-moi. Il est juste là, sur ton côté. Ouais, mais c'est pas ça que je regardais. Je regardais autre chose. Ah par contre si, il y en aura un autre à tirer. On va se propulser vers l'eau là, si. Non c'est bon, hein, on va se propulser vers l'eau. Non parce que celui-là voilà. Ne va pas... Si, on monte, hein. On monte. Et là par contre, celui-là, ouais, celui-là nous pousse. Ça, oui, en fait, c'est je crois que je voyais. Oui, il faut encore sauter. Voilà. Ouais, ça va, hop, attirer sur le truc. Ah oui, il y a la boîte là-bas au fond. Regarde, elle jump. Ouais, non, mais attends, elle jump, regarde. Ah ouais, là. Hop, et quand elle va vous près. Attention, prépare-toi à la gripper. Là, là. Raté. Oh. Attends. On tient plus haut. Merde, attends. Ouais, bah, tire plus haut. Non, bah voilà. Oh, évidemment.
Ça m'aurait étonné, tiens, ça. La v'là. Raté. Ah, oh, si, je l'ai eu. Mais t'es pas dit... Waouh. Ouais, pas, bah oui, c'est bon. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu. Ça marche, c'est bon. J'ai touché, elle s'est faite un... Arbitre. C'est valide. C'est validé. C'est valide. C'était triché totalement. Moi je dis on accepte. Par contre on est à la fin là. Oui. Attends, le trésor il est où parce que... Bah il était de l'autre côté. Attends, je me trompe plus. Bah attends, va de l'autre côté, ah. On aura un meilleur angle de vue de toute façon. Ah oui, faut tirer la boîte. Ah non, on a pas fini là. Non. Ouais. On a clairement pas fini. Bah prends la boîte, de toute façon, on va pas se faire chier. On l'avait pas marqué là, la boîte et le laser. Ah oui, il faut la boîte, merde. Bah oui, il faut la boîte. Ouais, enfin t'es gentil, mais... Ah! Est-ce qu'il est le... Ah là. Ah, ils mettent des lucioles, ils sont gentils, mais en fait on voit plus où on doit tirer après ça. En fait les lucioles servent juste à ça. Hein. Ouais, ouais, mais on voit pas toujours où est le carré de tir du coup. Tu remettras juste... Ouais, en fait j'ai volé pour rien. Oui. Tu sais, à chaque fois qu'il y a des gens qui volent, c'est toujours pour... En vrai, c'est pour nourrir les familles. Bon, je disais, attends deux secondes, parce que où est le... Parce que ça, c'est la fin. Ouais, mais il y a encore pas mal à faire, hein, regarde. Oui, mais où est l'autre? Oh. Ah. What? Ah, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Il est souvent par ici. Oh, oh, oh. Je m'attendais pas à voir que vous alliez faire sauter ça. Oh, bah, il est mort. This is Sparta. Ah, il veut pas tomber, hein. Ouais, j'ai pas. Tombe. Ah là, là, il tombe. Voilà. Ah, du monde, hein. Elle rigole. Y'a pas de quoi rire, hein, t'as merdé. Oh, c'est pas ça que j'avais en tête. Oh, t'es pas drôle. Oh, 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 tu vas tomber. Ouais, ouais, c'est méchant. Ah, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Ouais. Voilà. Oh, 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 oh. Au revoir. Oh. Oh. Oh là. Wouhou. Ah bah elle est pas morte en fait. Elle meurt pas, les gars, combien de coups. Ou chez des autres, hein. Ouais, bien sûr. Il y a quand même bien lui qui a pop quand ça nous a fait tomber. Oh. Oh merde. Ça m'a fait un nuque. Ouais, fais gaffe à ta vie quand même. Oh, tu ouais, te fais maîtriser pour l'instant. Je peux pas remonter ma vie, y'a plus de potions. Je vais oublier. Oh le tir. Et non, va falloir arrêter de faire de la... Je me donne. Parce qu'il y en a un autre qui me tire dessus, je crois. Non. Non, merde, ça. Attention, elle crache. T'inquiète, elle crache sur lui. Ah oui, c'est le lieutenant Briaré, carrément. Ah, attention, j'ai encore le truc de l'Aphrodite qui me permet de revivre une fois. Hein, donc... Ah, raté. Ah, c'est bon, pote. Oh, le trou. Ah, ouais, mais elle te sauvera pas si tu tombes dans le trou. Voilà. Voilà. Toutes ces 5 minutes. Plus tard, ça toutes ces 5 minutes. Mais la zone est tellement petite. Bah c'est le but. Ouais. En plus j'ai plus mes armures que là-bas. Hein. Ça défie divin, tu peux pas shifter. Ouais. Ah il est mort. Voilà. Ah t'es mort. Ah, si, il s'est fait tuer par l'autre. Oh c'était la charge, c'était un tir. Bravo. Voilà. La force brute ne résout pas tous les problèmes, mais elle en règle beaucoup. J'avoue. À quoi servaient tous ces coups volants? C'était pour la zone. Voilà. Ça me fout dans la merde, hein. Attends, c'est la fin. Ouais, ouais, faut mais... voir, oui, le trésor... On sait plus, tu sais. On va regarder. C'est comme l'eau tout à l'heure, c'était depuis la fin quand ça allait l'avoir. Il était super haut, en fait. Attends, tu vas tomber... Oh non. Mais... Je me dis, il va s'arrêter quand même ce soir. Ah non, je regardais... De toute façon, c'est bon, j'avais la sauvegarde, c'était là, mais...
Merde. Rappelle-moi dans le monde réel que si jamais je te vois regarder en l'air, de vérifier qu'il n'y a pas un... Dans le monde réel, j'ai pas des trous qui tombent depuis l'Olympe aussi déjà. Non, mais dans le monde réel, tu tomberais peut-être dans un égout. Mais puis il est passé une benne. Enfin, il est où le truc du trésor? Il est à l'opposé, genre. On est complètement perdu là. Je pense qu'il est là. On voit même pas le laser. Le problème c'est qu'on voit pas grand chose une fois qu'on est de l'autre côté. Il avait l'air plus haut que la truc de fin. Du moins de la même hauteur. On voit pas hein. Ah, putain mais il est méga loin. C'est pas possible. C'est en train de me dire que t'es moi-même, je vole jusque-là. En même temps, qu'est-ce que je risque d'essayer? Ah putain, faut une boîte. Faut une boîte. Non. Si, si, faut une boîte, c'est un truc de poids lourd. Non, non. Et ton clone en lourd? Je suis pas sûr qu'il est considéré comme lourd. Hein. Non mais... Pas assez lourd. Tu peux pas utiliser le truc de phosphore? Bah c'est ça. Non, je l'ai pas, j'ai plus de phosphore. Ouais. Je l'ai plus. C'est qu'on regarde tout à l'heure, on a plus qu'un seul piaf. Regarde, on a plus rien. Ah ouais putain. J'ai pas le poids lourd, donc je suis obligé de ramener une boîte ici. Mmh. Donc fallait venir avec une boîte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, faut lancer des boîtes, plusieurs boîtes pour monter jusqu'ici en fait. Et en dessous, à la limite on peut le faire depuis le début. Et en juste fait. En dessous il y a quoi? Hein? Juste en dessous de ça il y a une salle. Que dalle. Ah non. Il n'y a jamais de cailloux qui traîne ici. Hein, parce qu'il manque un petit caillou en fait. Hein, mais... Alors faut monter avec une boîte. Ouais. Enfin avec deux boîtes. Ouais, bah oui. Faut lancer une, reprendre l'autre. Une et ainsi de suite et monter un escalier comme on avait fait dans un autre donjon pour rigoler. Je peux le faire depuis le début en fait. Hein, depuis la zone là, je peux déjà le faire. Attends, à mon avis, il y a sûrement un endroit qui est plus propice à ça. Bah, regarde un petit peu droit devant toi. Là en face. Non. Mon avis, si tu pars... Oui, c'est super loin, mais... D'où tu étais, regarde là où il y a les pics. De là, tu sais venir jusqu'ici. Donc, ce qu'il y a peut-être moyen de... Ouais, je vais prendre là-bas, ouais, c'est beaucoup plus proche. Hein. Et ça va être long, hein, mais on va monter un escalier. Bah, c'est plus proche, mais... Ouais, si tu veux faire comme ça. On va monter un escalier, là, pas trop le choix. En supposant qu'après, je peux quand même voler jusqu'à la fin. Rappelez les boîtes. À mon avis, t'es parti pour tout refaire, tu sais. Non. Parce que la sauvegarde, elle date de l'arrière. Hop, je vais faire l'autre. Elle est où? Là. Raté. Là. Ok, c'est parti. On va en avoir gameplay. Pour, à mon avis, 5 bonnes minutes de crimpette. Ça va être un grand moment de gameplay. J'avoue que c'est pas terrible comme... Non, en principe, c'est un peu tout même. Je m'attendais à un truc quand même un peu plus logique que ça. Enfin. On les lance pas trop loin, sinon tu seras scrédé aussi. Putain, elle m'a refait le coup de la hache, quoi. Quoi ce bruit? Oh! Ah non, c'est pas comme ça! C'est pas comme ça. Non, t'es hors de la zone, ouais. C'est actif quand t'es hors zone de cette caisse. Bon, attends. Youp là. On va sortir TP à la fin. Hors zone de la caisse, c'est bizarre ça. Ou un autre pouvoir plus tard me permet de récupérer mon phénix lourd? C'est d'ici? Ah, c'est chaud. Ici, c'est non, il n'y a qu'une seule caisse. Ici, c'est tendu. Je vois une caisse là-bas. Non. Mais... non, parce que si ça se trouve, tu vas quitter la zone et ça va encore se désactiver. On n'a pas de map en plus.
C'est qu'il y a peut-être un pouvoir qui va te donner une caisse. C'est vrai qu'on n'a pas encore le pouvoir d'Arès, si ça se trouve, c'est un truc à la... Ou alors il fallait le pouvoir de, d'Athéna. Je sais pas. Bon, on reviendra. Ça m'emmerde parce que refaire celui-là, qui était déjà bien long. Attends un peu. Ouais. Des petites caisses là au-dessus. Des petites là. Elles sont pas assez lourdes, mais avec le pierre, ça pourrait le faire. Ouais, mais elles restent totalement activées. Non, je tire dessus, elles se désactivent, hein, comme les autres. Hein. Bien sûr. Oh, ouais, c'est le même principe. Enfin, essaye-les. Parce qu'on sait jamais que ça serait ça. On va sortir de la zone. Ah, non, elle veut pas non plus. Bon, bah non, alors. On reviendra, désolé, ce coffre-là. Ah, bah... vraiment pas... S'il y a pas de boîte là-bas pour... Non, c'est ça que je piche pas. Même ici, je comprends pas le principe des boîtes qui tournent. Non, ça servait juste pour le combat. Mais c'est bizarre. Ça m'étonne. Est-ce que je peux rien lancer de là? Mon clone n'est pas assez lourd. Si je me mets avec mon clone, la porte s'ouvre, mais ça ne m'aide pas plus. Bravo, Phoenix! Tu as réussi mon épreuve de mystère. Viens me voir pour toucher ta récompense. Bon, alors celle d'Athéna avec quelque chose, peut-être. Parce que, attends, quitte pas tout de suite. Ah, qu'est-ce que je fais d'autre? Il y avait deux coffres, quand même. Oui, bah oui. Non. Ah, si. Ah, on a raté un autre, alors. Bon, attends, vu qu'on a quand même raté deux coffres, ouais. Où on en est. On reviendra entièrement... avec des pouvoirs peut-être plus utiles. Au plein milieu du bordel avec les caisses à gauche, les caisses à droite, les aimants, il y a sûrement un truc à aller chercher. Il faut aller voir chez Athéna pour voir s'il n'y a pas un pouvoir. Oh, c'est vicieux ça par contre. Oh, salaud. Il faut peut-être d'abord faire Athéna et puis seulement Arès. Ils le disent d'habitude. Là, c'est un peu... Non, ils te le disent parce que tu ne peux pas l'avoir tout de suite, tu ne peux pas finir, mais là... Tu pouvais finir l'épreuve. Après, c'est un... Mmh. Dans les Tartares, c'est pareil. Il y a des moments où tu pouvais pas avoir le coffre si tu n'avais pas un pouvoir spécifique. Si il ose nous donner le pouvoir... Maintenant, franchement, c'est salaud. C'est vraiment dégueulasse. Ça, non, ils font jamais ça. J'attends. Ils t'obligent pas à refaire un truc. J'attends. C'est qu'on l'a pas fait dans le bon ordre. Nickel, ah voilà, nickel. Tu as mérité une récompense, guerrière! Merci! Paf! Je vais pas te mettre un oignon. T'as vu par où elle est rentrée, la boule bleue? Elle est passée bien par le bas. Tu peux désormais te servir de mon uppercut! Hein? Tu appuies sur avant, bas, diagonale, bas, avant, et. Non, ça c'est autre chose. Ah oui, le mien crée une bourrasque lorsque tu frappes du bas vers le haut. Ça veut dire que je peux taper et créer du vent pour planer? Peut-être. Taper me suffit amplement. Je parle avec le coffre qui était juste au-dessus de la salle où on était, donc si, ça va servir pour au moins des deux coffres. Non, mais pas pour celui-là. Par contre. Ça Par contre, ici, oui, le voilà. Ces cailloux-là. Ça, regarde ça. Ah, j'ai raté? Non, il a dit au niveau des espèces de cailloux. Non, mais ça aussi, il parlait. Pour faire du vent. Ou alors faut que je le fasse peut-être. Ah voilà, tu vois, oui, ça marche. Oui. Mais... Ah et ça marche, j'avais ouvert le coffre là. Donc si ça se trouve, il faut peut-être repasser dans son... Dans son truc avec ça. Là, hipposandale. Ah ouais, d'accord, les 4 quatre hipposandales, c'est chaque fois chez un dieu. Et en utilisant son pouvoir, donc je parie que celui d'Aphrodite, je pouvais déjà l'avoir en fait, oui. Mais bon, c'est pas grave. Et